Ils l'appelèrent la nuit des cendres. Ce qui était arrivé de ce ciel sombre et sans étoiles aura changé le monde de Moss à jamais. La paix fragile qui avait fini par s'installer dans le pays fut brisée par un cauchemar invincible. Et cette nuit-là, les animaux faillirent disparaître. D'abord, ils tuèrent le roi. Une créature ailée surgit de l'obscurité pour l'arracher de sa chambre royale, du haut de la tour la plus élevée. Puis le serpent Sarfog et les armées arcanes jaillirent des enfers, ravageant le château à la recherche de ce qui donne au roi des pouvoirs qui dépassent l'entendement, une des mythiques reliques de verre. La garde royale se battit avec courage, mais très vite, la malédiction arcane prit le dessus du château. Toutes les salles furent vidées, chaque statue, tapisserie et parure ensorcelée. Mais la relique de verre ne put être trouvée. Même les mystérieux lutins choisirent de mettre leurs différends de côté lors de cette nuit funeste. Ils envoyèrent leur grand champion, porté par les pouvoirs de leur propre relique de verre, pour vaincre le serpent et son armée de fer. Pendant ce temps-là, Sir Argus, commandant de la garde royale, guidait les survivants vers l'ouest, à travers les ruines d'un temple ancien abandonné par leurs ancêtres il y a bien longtemps, loin de cette nouvelle menace. La route fut longue. Enfin, après avoir trouvé un passage sous le marais infranchissable, ils trouvèrent refuge dans une clairière idyllique cachée parmi les arbres. Argus repartit en toute hâte pour se battre aux côtés du champion des lutins aux abords du marais. Ensemble, ils repoussèrent les arcans et scellèrent le passage du temple menant à la clairière. Mais le champion avait été gravement blessé cette nuit-là. Serrant la relique dans sa main, il se retira au plus profond de la forêt pour y rendre son dernier souffle. Un arbre massif s'éleva au même emplacement, et pendant des années, il protégea la relique de verre, en attendant le jour où un nouveau héros arriverait. Et ce héros arriva, sous une forme assez inattendue, certes, au moment où on avait le plus besoin d'elle. Quill s'était aventuré au-delà des limites de la clairière. La nuit commençait à tomber, mais elle était curieuse de savoir ce qu'elle pourrait trouver en allant juste un tout petit peu plus loin. Sans savoir pourquoi, Quill ne se sentait pas menacé par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut. «
Quill devait se dépêcher. La cloche indiquait que les portes du village allaient bientôt fermer et que la nuit allait tomber. Son oncle disait souvent que c'était pendant la nuit que le danger était le plus présent. Mais Quill préférait penser aux créatures magiques qui, d'après les contes, se réveillaient pour protéger la forêt. Descends là. Attends un peu, mon cœur. Ah. D'accord. Descends. Comment tu fais pour descendre? Thank you.
Tiens, mais c'est chiant la direction là. Thank you.
grâce à son nouvel ami, Quill avait gagné un temps précieux. Elle se précipita vers la porte de la chaumière qu'elle partageait avec son oncle, en espérant qu'une fois qu'il verrait la relique de verre qu'elle avait trouvée, il pourrait lui raconter en détail les légendes attachées à cet objet. L'oncle Argus contemplait le coucher du soleil lorsque Quill entra en trombe dans la chaumière. « Mon oncle, il faut absolument que vous voyiez ça !» Encore dehors après le couvre-feu. Quill, combien de fois dois-je te le dire ? Je sais, répondit Quill, abattu. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange et magique. Sympa. Très sympa, même. Comment je fais pour... Les mains de Quill tremblaient lorsqu'elle lui montra la relique de verre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Une expression de panique se lisait sur le visage de son oncle, d'habitude si stoïque. « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» rugit l'oncle Argus. Quill n'avait jamais vu son oncle aussi déstabilisé. Juste à l'ouest de la clairière. Et quand je l'ai ramassé, quelque chose a commencé à m'aider, dit Quill. Argus suivit son geste. Un lecteur ? Avec toi ? Ici ? En ce moment même ? Ce que tu as trouvé est extrêmement puissant et très dangereux, Quill, dit-il, la voix remplie d'inquiétude. Si je pouvais te débarrasser de ce fardeau, je le ferais. Mais le lecteur a choisi. Même avec la pleine lune, cela ne peut pas attendre. Je dois partir maintenant. Où allez-vous, mon oncle ? Demanda Quill. Je peux vous aider. Nous pouvons vous aider. Non ! Répondit-il d'un ton sec. Il te trouverait et te mettrait en pièces. Je dois partir seul. C'est pour ta sécurité. Et pour celle de tous les habitants de la clairière. De son étreinte prolongée et sincère, elle comprit que son oncle partait pour un voyage périlleux. Je serai de retour avant minuit. Mais jusqu'à ce que je revienne, tu dois me promettre que tu ne quitteras pas la clairière avec cette relique de verre. Tu me le promets, Quill ? Promis. Dit-elle à contre-cœur, tout en se demandant où son oncle pouvait bien se rendre à cette heure aussi tardive. Hé, petite,
Réveille-toi. Hé, petite, par ici. Je sais où est allé ton oncle. Je peux te montrer. Tu es liée maintenant, c'est très important. Prends la relique et ton acolyte avec toi. On va avoir besoin d'eux. Hé, l'étoilé, attends-moi ! Cria Quill.